Bonjour, je m'appelle Justin, je suis copropriétaire de Shaka Vibes avec Penelope. Bonjour, je m'appelle Luigi, je suis propriétaire de Gusti d'Italie. Moi, c'est Claude Bellavance, ma conjointe Chantal Lapalme. Bonjour. Nous autres, l'entreprise, c'est Vivaldi Coiffure. Bonjour, je m'appelle Frida. Je suis propriétaire de cette crêperie depuis mars 2023. Au début, ce projet devait se faire avec mon frère, et il devait se faire en France. Et mon frère, entre-temps, nous a quittés. Donc je me suis un petit peu accrochée à ce projet pour lui. Et c'était lui, finalement, le spécialiste qui devait m'aider, qui devait m'épauler. Puis finalement, il est tombé malade, et avant qu'il parte, il m'a laissé plein de consignes, puis plein de bonne énergie. Et c'est ce qui me donne aujourd'hui le courage de m'accrocher et de me battre pour lui. Ce projet, c'est plus une passion et c'est plus une passion en sa mémoire. On a ouvert notre commerce dans l'allée du marché il y a un an exactement, le 21 juin. Enfin, dans le fond, nous, on est le meilleur des deux mondes entre un coffee shop et un smoothie shop. On est dans l'allée du marché. On était au milieu avant, puis là, maintenant, on est rendu juste à coin Sainte-Anne et allée du marché. Depuis 1994 qu'on est dans l'allée du marché. Chantal est maître coloriste. Ça, c'est un des gros avantages qui la démarque de plusieurs autres salons. Puis là, si on parle de l'allée du marché, d'abord, tout ce qu'on se fait dire par les gens, ça a le look à l'européenne. Moi, je m'en occupe en tant que bénévole pour l'améliorer tout le temps. Là, maintenant, la ville nous aide avec des fleurs, même on est rendu avec des géants. Qu'on a eu l'an passé aussi, pour fêter le 275e anniversaire. Donc, c'est facile à trouver. Si vous savez où est le marché, vous allez immédiatement être à côté de l'allée du marché. Fait que je suis ici depuis 5 ans. Ici, on fait des pizzas, on fait de la salade, des pâtes, un petit peu de tout typique italien, pas américain. On a des places extérieures pour faire une petite ambiance européenne. On fait des desserts, des cafés au lait, des espressos, des cappuccinos et un petit peu de tout. On sert aussi des biscuits avec. Bien, ce projet, c'est tout simplement une crêperie. Une crêperie qui vend des spécialités, des galettes sucrées, salées. Cette crêperie, propose un petit peu des... s'adresse un petit peu à tous les gourmands. Donc, je fais des crêpes sucrées avec plusieurs spécialités, plusieurs déclinaisons, plusieurs accompagnements. J'essaye d'offrir un petit peu des recettes originales, des recettes avec des produits du Québec, donc par exemple avec des pommes du Québec. Je fais du caramel beurre salé ici, avec le beurre salé du Québec. J'essaye aussi de proposer des crêpes salées, donc avec la farine de sarrasin, la farine de blé noir, donc la farine du Québec aussi. Donc mettre un petit peu en valeur les produits d'ici. On va te vendre latte, americano, vraiment tout ce que tu peux trouver dans un coffee shop. Mais en plus de ça, on vend des bols à smoothie, smoothie à boire. On essaie d'être innovateur là-dedans, fait qu'on inclut des super aliments qui ont plein de bienfaits pour ton corps, puis pas juste un simple smoothie. Tout est vegan, on a même des options sans gluten, keto. En tant que Vivaldi coiffeur, ce qui fait la différence de Vivaldi coiffeur par rapport à beaucoup d'autres salons de coiffeur, c'est que nous, c'est plus un concept qu'on veut... que les gens se sentent à l'aise comme s'ils étaient à leur chez eux. On a voulu faire un salon de coiffure et non un look coiffeur seulement qui a juste des photos. On est situé dans l'allée du marché qui est en biais de le marché central de Saint-Hyacinthe ou centre-ville. On a une ambiance très familiale. Vous pouvez venir avec vos enfants, vos chiens, tous vos animaux si vous voulez. On met des petits bols dehors si vous voulez pour vos petits amis. Donc, notre commerce est situé sur l'allée du marché, entre le marché et la salle des spectacles. Donc, notre commerce est parmi
tant d'autres commerces gourmands qui proposent aussi des gourmandises. Donc je vous invite à venir faire un petit tour, vous ne serez pas déçus. L'allée du marché, c'est un endroit qui n'est pas très bien connu. C'est perpendiculaire au marché centre. Par contre, c'est un super endroit l'été. On a plein de tables. Fait que c'est vraiment le meilleur endroit de venir prendre un café, un bol, puis on a plein d'autres commerces aussi à découvrir dans l'allée. Donc au niveau de l'allée du marché, comme on disait tout à l'heure, c'est facile à trouver. Ça a été mentionné, maintenant on a mis des tables. Moi, au tout début, j'ai travaillé avec Luigi surtout pour que ce qu'on voulait, c'est créer le plus possible d'achalandage. Grâce à avoir mis des tables comme ça, c'est ça qui fait que l'achalandage augmente. Le côté accueillant aussi, c'est que vous pouvez vous asseoir dans l'allée du marché puis vous pouvez manger de tout. Vous avez Luigi qui a de l'italien, vous avez Frida qui a des crêpes, vous avez Chaka qui a des plats santé, des déjeuners ou dîners. Vous avez un bar dans l'allée du marché qui appelle ça un bar à jus, La Grange. Vous avez juste l'autre côté de la rue qui est du mexicain. Honnêtement, j'ai été beaucoup encouragée ici. Par les commerçants, les commerçants qui étaient déjà établis, par les gens qui sont venus me voir, par les gens de Saint-Hyacinthe, j'ai eu beaucoup de retours positifs pour m'aider, pour m'aider à partir, pour me donner le courage de continuer à avancer. Donc, ça vaut la peine de faire un tour. Si vous n'êtes jamais venu à l'allée du marché, venez nous voir parce que faut découvrir ça. Alors, passez à l'allée du marché, venez découvrir les multiples commerces et mangez une crêpe en passant.